Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Allez, on continue l'aventure de Bob l'éponge carré, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ça, celui-là, on a commencé ça, celui-là, hier. Pas facile. Donc. Vous voyez, il faut amener la boule et toucher les mécanismes. Non plus, pas non. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Charlie Nini, es-tu là? Je l'ai manqué parce que c'est à cause de ça! C'est quand elle tombe, là faudrait que j'irais le peser. Là je viens de remarquer que ça s'est passé. J'ai attendu le petit bruit de merde. Merde. Deux fois ça m'arrive. Je comprenais pas pourquoi.
finir par l'avoir. Je peux pas croire que je l'aurais pas, tu sais. Sérieux là? Sérieux? Là, tu parles du sang rip, tu penses? Bon. Est-ce que c'est ça ou pas? Mais non, c'est pas ça! Il manque quelque chose en bas! Je pense qu'il faut que je continue ici! Ah! Il est rendu là, faut que je fasse ça pour le faire tourner probablement, mon petit lapin crétin de maudit de maudit! J'aime l'odeur des bulles le matin. Ça sent la victoire. Oui, allô? Trop fait vite. Non.
Bon, vas-tu l'avoir ou on va pas l'avoir? Oh, Lil, c'est ben loser, là. Wow! Je voyais plus rien. Ouais, passe. Bon. Je n'ai pas l'impression qu'il a besoin d'aide. Oh oui! J'ai qu'ils m'ont rentré dedans. Et voilà. On le voyait pas les boutons, mais il était caché entre les hélices, ce petit maudit. Bien joué, Bob. Et maintenant, que dirais-tu de donner au vieux monsieur Krabs ce bel objet doré? Tu recevras une promotion. Une promotion? Tout à fait! Tu obtiendras 10 secondes de pause supplémentaire! Waouh! Ça me fera 20 secondes de pause! Oserais-je? Désolé, Monsieur Krabs. Même si l'offre est alléchante, je ne peux pas vous la donner. J'ai besoin de chacune de ces spatules dorées. Je comprends, mon garçon. Je vais te retirer 30 secondes de pause à la place. Waouh! Ça veut dire que j'ai une pause de moins 20 secondes! Merci, Monsieur Krabs! C'est con. Et là, faut que je continue. Hey, t'es chez Caribou! Prends ta chaise, puis regarde-moi, hein! Et nous rejoindre sur Twitch, les amis! Comment je fais pour ouvrir cette cage-là déjà? Bob, appuie sur tous les boutons de sécurité qui dépassent dans la grotte secrète. Reviens ensuite ici et appuie sur le bouton principal d'arrêt. Ou bien? Ah bon, on dirait qu'il semble avoir quelque chose. Je sais pas si je l'ai déjà activé.
ça brille. T'as un boss à quelque part. Changer de personnage. Je vois rien changer. Ah oh, oui, là. Oh yeah. Ah ben oui. Non, je peux. Oh même je retourne là-bas de nouveau. Bon, je vais prendre la boîte. Je vais lancer une bulle. J'aime l'odeur des bulles le matin. Ça sent la victoire. Bon. Mais comment? Patrick, il peut pas lancer les bulles. Même s'il y a ça là, il peut pas retourner l'autre bord. À moins que je fais comme ça. Apparaît en quoi? Patrick! Oh, bah, je peux pas revenir. Y'a un boss en bas, mais je peux pas monter en haut. Ça donne rien. Colorama. Ah, ça en a 3 sur 4. Je l'ai moins. 3 sur 4. Trêve de bavardage, gars.
Manque un bouton. Oh, il y a un ballon. Et j'en ai ouvert une là. J'en ai allumé une là. Selon moi, j'en ai pas oublié dans ces deux tableaux là. Une là. Je pense que c'est dans le tableau que j'arrive. Il est là. J'adore ouvrir des cadeaux. Oui, j'ai allumé lui là. Pudo, je crois pas, je l'aurais vu, mais ça. Télévision verte qui traîne. Donc, selon moi, je me dis que. Frais comme une brise printanière. La dernière, c'est sûrement. À quelque part, c'est dedans. Aller au début avec Patrick, mais c'est impossible! J'aime l'odeur des bulles le matin. Ça sent la victoire. Je me sens regonflé à bloc. Et ça, c'était pour monter les affaires. Il y a autre chose au-dessus de moi quelque part. Comment je fais pas aller là? Si je vais là, je m'en vais juste.
bulle d'eau, qu'est-ce que je fais avec ça? Descends ce bord-là. Tu ben... Tu ben ça? Allez Bob! Allez Bob! Allez Bob! La lampe, je peux sûrement sauter dessus. Et sûrement fusée. Non, ça c'était dégueulasse. Dégueulasse pour un style. Mais en même temps, c'est dégueulasse. Hein. The fuck tu fais? Pas sûr que je peux faire un double saut pour me rendre là. Colorama! Pas sûr que non plus la lampe est physique. J'aurais vraiment tombé dessus parce que je suis pas très bon avec ça puis les angles. Hey, t'es chez le caribou, prends ta chaise puis regarde-moi, hein! Oh, je viens de voir! Ben, peut-être pas. Je vais essayer ça, puis sinon je viens d'essayer une autre chose. Je viens de voir de quoi. J'adore ouvrir des cadeaux. Non. Ben, c'est quelque chose. Que propre comme un sous-neuf. Je vous connais. Exactement. Vous êtes ce type. Il va nous falloir plus d'énergie pour activer le modulateur sanguin hydroacoustique. Salut Akiro Gaming, comment ça va? Tu pourrais t'en charger? J'aperçois la maison de Carlo d'ici et il ne porte pas de pantalon. Oh, une minute, il n'en porte jamais. Bon, ouvre tes oreilles. 8 cylindres sont disséminés là-dehors. Ah bah ça va. Si tu balances quelque chose sur l'un des cylindres, il pivotera sur le côté énergie. Positionne les 8 cylindres sur le côté énergie et je te récompenserai. Pardon, vous disiez quoi? Je commence donc par faire pivoter ces cylindres. Merci pour l'hébergement. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous.
Pourquoi je suis supposé me baser, là? Un peu plus, voir. Et à que tu vas jouer à qui? Vraiment que toutes les affaires sont du même côté. Rien si je fais ça. Et ça, ça les ramène à zéro. Nous avons assez d'énergie. À quoi vous sert toute cette énergie? À quoi ça sert? C'est pour mon bain de pied, évidemment. Tiens, prends cette spatule dorée. Et pour mon bain de pied? Oh là là! C'est 36. Et oui, activé! Avec sa bédaine. J'ai récupéré le contrôle sur le système de sécurité. Voilà la récompense que je t'avais promise. Tu as appuyé sur tous les boutons de sécurité. Appuie désormais sur le bouton principal d'arrêt. C'est excellent, ça. 58, 57, 57. Et voilà le pont. Pour entrer dans la zone de système de confinement des villes.
Le système de sécurité est désactivé et notre bilan de santé est bon. Hourra pour la justice dans toute sa splendeur et sa gloire! Ouais, le problème, Justice Boy, c'est que tu as aussi coupé le SCV, ou système de confinement des vilains. Et c'est grave? Aussi grave que l'odeur de l'homme sirène. Oui, bonne odeur! Oh non, apparemment, un vilain s'est échappé. Pardon? Un méchant est sorti? Qui est-ce? Madre! Le flet atomique? La bulle infernale? Non, pire que ça! Ton ennemi juré, Crevette. On m'appelle? Ah, je croyais que c'était des super-héros, mais tout ce que je vois, ce sont deux bouts de bois flottés. Oh, Crevette! Jamais je ne pourrais te pardonner! Mais qu'est-ce qu'il a fait? La pire chose imaginable, il a lavé tous les vêtements blancs de l'homme sirène avec une chaussette rouge. Toutes mes possessions sont roses. Quel cauchemar! Eh bien, moi, je trouve que le rose te va très bien. Tu penses? Mais oui, ça te va nu-pied. Oh, mais c'est quoi ce truc chaud? Une moisissure? Mais non, je suis une éponge. Ce sont pas les mêmes molécules. Pas les mêmes molécules. C'est cela, oui, c'est cela. Merci pour le cours de science. À la prochaine, Rosette. Parlez cette mère, Crevette. Je ferai tout pour que tu sois capturé. Mais je dois d'abord passer de mon identité secrète à celle d'homme sirène. Tu n'as pas d'identité secrète, vieux fou. Bob, occupe-toi de Crevette pendant que je gère ça. Je te vengerai, homme sirène. Comme une brise printanière. Je me sens regonflé à bloc. Tu viens de rencontrer le Terminabob. Oh ben. Oh ben. Je peux pas la Juste. Je suis gelé de partout. Serait-ce la fin de Crevette? Crevette ne fera plus de tort à personne. Yes. Moi, c'est Bob l'éponge. Oh, regarde. J'ai trouvé ça dans mon tiroir à chaussettes entre deux paires rouges. C'est une autre spatule dorée. Merci, homme sirène. Tu resteras toujours un modèle de gentillesse et de bonté pour moi. T'es encore là, toi? Ah, on les a tout fait. Pac, 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 pac. Manque une chaussette, par exemple, qu'on n'a aucune disque. Les chaussettes.
Non, tu joues à quoi normalement? Tu devrais aller aider l'homme sirène. Il se trouve dans la zone de confinement des vilains. Je le fais. Bob, comment est-ce qu'on sort d'ici? Eh bien, ça dépend. Tu veux la sortie piégée ou la sortie sûre? La sortie sûre, s'il te plaît. Alors, c'est par là. C'était peut-être par là. Je me demande quand même où ça va, ça. C'est parce que c'est même Patrick qui peut envoyer ça là-dessus, mais... Et logiquement, Patrick peut pas venir là, Simpson et Ron. J'ai entendu parler, mais je sais où. Frais comme une brise printanière. Non, il est pas fou. Encore des tonnes de robots dans les alentours. N'hésite pas à revenir. Je me sens regonflé à bloc. Faut pas rien pour l'autobus. Bon. Allez, on sort. On va aller ailleurs. C'est encore ce gamin... Bleh. La grotte que j'étais, c'était sous sa chaise à lui. Ouais, j'aime bien. Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise pis regarde-moi, hein! Tato, oublie pas de nous rejoindre sur Twitch, mon ami. J'ai pas 60, je sais pas si j'en ai ouvert. J'ai pas ouvert elle de 50 encore. Je pense que je peux rentrer là-dedans. Pas encore été là-dedans. On sert à manger ici, c'est vrai. Mais pour ce qui est de la chaleur humaine... Oui, il fait une info 75. Lâche info! Les autorités ont confirmé que les robots qui déferlent sur Bikini Bottom proviennent, en effet, du sceau de l'enfer. Oui, pile à l'endroit où vous vous trouvez. Plankton, son propriétaire, célèbre pour ses créations robotiques ayant pour unique but de semer le chaos et la destruction, a réfuté son implication. Ils piétineront vos enfants et les enfants de vos enfants. C'était un flash info de Bikini Bottom. On veut pas y aller! J'ai la classe! Les rêves de Bob Lepange, là. Ah, ici, il faut. C'est qu'il faut 40 000 pièces pour rentrer là. On va aller ici. La 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 la. Nous voici dans la jungle. Oh, la jungle! Un endroit passionnant et qui regorge de choses à voir. Pour ceux qui ne se perdront pas en route.
Un nouveau robot. Okay, bye. Hein, c'est quoi ça? Un tabarnak. Bonjour, Madame Puff. Vous ne seriez pas en train de donner des cours de conduite ici aujourd'hui? Non, mon petit Bob. Pourquoi dis-tu cela? Tu penses que je donnerais mes cours ici pour t'éviter? Allons, allons. C'est juste que je ramasse du petit bois pour l'hiver, voilà. Non, je peux vous aider. J'ai gagné une médaille en ramassage de petits bois. À vrai dire, j'aurais quelque chose d'autre à te demander. Depuis que les robots sont apparus, ils ont effrayé les étudiants. Enfin, les campeurs. Et les ont fait fuir dans la jungle. Quelqu'un doit les trouver avant l'arrivée des gardes forestiers. Je vais vous aider à les chercher, Madame Puff. Je suis l'éponge qu'il vous faut. Merci, Bob. Je ferai en sorte de te donner une belle récompense lorsque tu les auras tous retrouvés. Une idée que ce qui vient d'arriver là, en tout cas. Colorama! Putain, t'es rendu. Et lui est là. Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi, hein! Ma toute, ma tato, bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon ami, ça fait super plaisir de follow, oh yeah! Voyons, calice, c'était ça! Ah, c'est fait pour! Y'a des plantes devant! Pas sûr qu'on est supposé le trouver de même, mais moi j'ai trouvé. Ah, il y a ça. Ah non. Tabarnak, qu'est-ce qu'on va passer en ce toi? Comme une brise.
bloque. Bien, une nouvelle spatule. Un gant neuf. Selon les tableaux, tu peux jouer lui. Là, vu qu'il y a un melon d'eau, tu peux jouer Patrick. Tu peux jouer Sandy aussi. Et tu peux jouer en ligne aussi. Je sais pas comment ça marche, mais tu peux jouer en coopération, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est ça, Rémi? Bob au centre de contrôle, lancement en cours. Ah. Je l'ai déjà pogné, mais d'une autre façon. Oups. Et ouais, mais tu peux aller là avec... Ah, il faut pas trier. Une affaire pour changer de... Dis bonjour à mon ami Bulle. Ça sert ça. Par rapport à quelque chose dans le jeu que je comprends pas dans pas dans le jeu mais dans les jeux vidéo, pas dans les jeux vidéo, dans les dessins animés que j'ai pas le référent. Je pense qu'il y a 90 spatules. Ah, il est là l'affaire de bus pour Patrick. Sur 6. Même pas sûr, sont toutes où les enfants?
comme une brise printanière. Parfait. Okay. Et on se fait à cette heure. Chose j'ai vu tantôt. Ah là-bas. Puis la bataille. Ah oui, il y a Patrick, c'est vrai, ça j'avais vu. Ah, ok, je comprends. C'est un one-shot deal, ici. Tu viens de rencontrer le Terminabob. Ça brille. Ah, ah oui. Je me sens regonflé à bloc. Juste un one-shot deal, c'était un essai ou rien parce que les blocs disparaissent, ils sont plus là. Tu te fais tuer ou peu importe pour revenir, tu rentres tout ça. Comme une brise, je l'ai eu. Et les bas, quand tu en as 10, tu vas à Nissa Patrick et te donne une spatule. Ah oui, mais j'ai vu qu'on pouvait avoir Patrick. Ça. Et voilà Patrick! Ça, c'est pas là, mais là. Ah, crétin. C'est con. Si je suis con. Bon.
au tir. Ah ouais. Chose qui va pas, on dirait. Ah! Oh, Lys! Hey, c'était beau, ça! Moi je comprends pas. Marche pas, tabarnak! C'est incompétent. Rentre pas en bas, t'as pas le temps. Un petit Chris. Bon, ben c'était tout pour aujourd'hui. Pour Bob, l'éponge. Carré, oh yeah!